Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 outils d'intelligence artificielle qui sont très impressionnants et selon moi à connaître pour savoir de quoi est capable l'intelligence artificielle, surtout en 2024. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, on va voir ensemble cette IA que je vous ai dénichée, que je vous ai préparée pour vous montrer de quoi est capable l'intelligence artificielle et franchement, je me suis surpris en faisant mes recherches. Alors, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper sur le monde de l'intelligence artificielle et je vous invite par la même occasion à rejoindre ma newsletter la lettre IA Insiders et également récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle en 2024. C'est aujourd'hui 7 outils d'intelligence artificielle dans divers domaines, que ce soit la vidéo, l'image, la traduction ou encore le texte que nous allons découvrir ensemble. Et je suis persuadé que vous allez être impressionné par au moins un de ces outils durant cette vidéo. Alors ne perdons pas de temps et passons directement au premier outil d'intelligence artificielle. Le premier outil, c'est tout simplement MyLens.ai, un outil qui va nous permettre de faire des timelines, des mind maps et également d'autres genres de graphiques de ce type pour raconter des histoires. Et ça, pour apprendre, c'est excellent. À savoir qu'avec des plugins de ChatGPT, on pourrait le faire, mais c'est pas aussi bien agencé qu'ici. Regardez par exemple ici, quand j'ai demandé la chronologie de l'intelligence artificielle. On nous met par exemple le test de Turing ici en 1950. Ensuite, on a directement d'autres événements qui sont passés dans le monde de l'intelligence artificielle. En 2014, on a par exemple Google qui a acheté DeepMind, son laboratoire d'intelligence artificielle, ou encore la célèbre intelligence artificielle en 2016 qui a battu Lee Sedol, un champion des jeux de Go, parce que AlphaGo, c'est une IA qui a été créée par Google et qui a battu le champion du monde. Et ensuite, ça s'arrête à GPT-3. Évidemment, il en arrive tous les jours des news. Alors bon, on lui en veut pas qu'il soit arrêté en 2020. Mais par exemple, si je lui envoie l'histoire de la Révolution française, on va voir ce qu'il se passe. Et vous allez voir que les animations sont vraiment très sympas. Et voilà, nous avons une animation qui se fait. Et c'est très sympa de voir eh bien, comment ça reprend tout simplement les différents événements qui se sont passés. Ça prend un petit peu de temps à se générer, mais en tout cas, ça a le mérite d'avoir des visuels vraiment impressionnants et très sympas. MyLens est en train de reprendre toute la Révolution française et ses moments clés et les événements qui ont eu lieu, qui sont marquants avec les dates et la frise a été générée. Nous avons plusieurs dates et vous avez vu que, par exemple, pour apprendre quelque chose très rapidement sur un sujet ou reprendre la chronologie eh bien, d'un domaine, ça peut être très intéressant. Mais aussi, on peut le faire avec des mind maps. Et là, si je mets 10 idées de business à lancer avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir voir eh bien, qu'il y aura plusieurs idées autour d'une seule et même idée principale. Ça peut être sympa pour faire des recherches, pour tout simplement mettre sur papier des réflexions, et ça, c'est très sympa. Et là, nous avons tout simplement différents domaines qui ont été associés à l'intelligence artificielle, la santé, le commerce, les jeux, les ressources humaines, la finance, l'éducation, et on peut voir qu'il y a directement plusieurs idées de business et d'industrie en rapport avec l'intelligence, et le tout a été trié. Alors ça, c'est assez impressionnant. C'est au total 20 idées de business qu'on a eues dans 10 catégories différentes. Deuxième outil d'intelligence artificielle qui est assez connu, mais si jamais vous ne connaissez pas ou que vous connaissez seulement de nom, laissez-moi vous présenter le résultat impressionnant que AgeN peut faire et plus particulièrement sa vidéo translation. On va pouvoir traduire des vidéos avec des mouvements de lèvres cohérents et ça, c'est grâce à la force de AgeN qui ont collaboré avec Eleven Labs, comme c'est marqué juste ici. Eleven Labs est spécialisé dans le clonage des voix et la génération de voix de synthèse par intelligence artificielle. Et la combinaison de ces deux technologies très puissantes nous permet d'avoir des résultats très impressionnants. Alors pour vous dire, je ne parle vraiment pas du tout bien anglais. Je comprends quand je lis, mais la prononciation est vraiment pourrie, pour rester très poli. Et écoutez un petit peu comment je parlerai en anglais grâce à cette vidéo. As you may know, ChatGPT has implemented a new feature that allows you to switch to voice conversation with it. That is to say, it no longer happens directly on a chat with your keyboard, but directly in voice. And the result is quite impressive. But did you really use this feature well? And do you know everything we can do with it? I don't think so, and that's why I have. Make a video, I've prepared this prompt, I've written myself, and we'll test in this video. We'll have everything. And it's a reflection track to know everything we can do with this functionality that allows us, for example, during a 1-hour journey.
Vidéo très impressionnante dans laquelle je parle en anglais alors que la vidéo originale que j'ai envoyée, c'est tout simplement le début d'une vidéo à moi, donc évidemment je parlais en français. L'IA a tout simplement d'abord traduit la voix et ensuite Agent s'est occupé de faire en sorte d'avoir des lèvres cohérentes et des mouvements de lèvres cohérents qui suivent les paroles. Donc on va dire c'est cette zone-là qui a été modifiée par l'IA pour permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent au niveau des lèvres. Évidemment, on voit que c'est de l'IA quand on regarde à deux fois. On entend qu'il y a des coupures qui sont pas normales, surtout pour quelqu'un qui parlerait anglais couramment. Il saurait qu'il y a un petit souci, mais c'est déjà beaucoup moins marquant qu'une voix de synthèse de Google. Ça promet vraiment pour l'avenir. Et si jamais vous voulez traduire vos vidéos, vous allez sur Video Translation, vous uploadez votre vidéo, vous sélectionnez la voix qu'il vous faut en termes de résultats, et vous aurez une ou deux traductions de gratuites. Attention, il y a une longue file d'attente, mais ça vaut le coup parce que c'est très impressionnant. Deuxième outil d'intelligence artificielle très impressionnant que je vous ai déniché, c'est tout simplement Yum AI, qui va vous permettre tout simplement, par exemple, d'analyser une webcam ou une vidéo pour déterminer les expressions faciales et pourquoi pas les expressions qui y sont associées. Et le tout se fait en temps réel. Ça permettrait pourquoi pas d'analyser une vidéo assez connue, par exemple de deux dirigeants, pour voir les expressions faciales de chacun et pouvoir mieux comprendre certaines choses et certaines vidéos. Si par exemple ici je fais quelqu'un étonné, et voilà, là c'est marqué surpris à 70%. Bon, on dirait que j'essaie de faire une tête de miniature. Et quelque chose qui est encore plus impressionnant, c'est cette carte qui nous montre les expressions avec plusieurs points. Et là par exemple, si je suis surpris, tout se dirige là-bas. L'analyse des expressions se fait en temps réel et assez bien. Donc c'est sympa à voir. Et ça peut permettre d'analyser certaines vidéos ou certains moments. C'est gratuit, alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Prochain outil d'intelligence artificielle, ce sera simplement sur mon téléphone. Et je vais vous montrer l'application Copilot, qui est une réelle alternative à l'application ChatGPT. Parce que c'est un agent conversationnel propulsé par l'intelligence artificielle et l'image de ChatGPT, mais directement dans votre téléphone. Et le tout gratuitement. Alors, il faut savoir que ça a été développé par Microsoft et que Microsoft est en étroite de collaboration avec OpenAI, la société derrière ChatGPT. Et ça leur permet de développer des outils comme Copilot, un assistant IA quotidien qui peut vous aider par exemple à faire des recherches ou à formuler un message. Par exemple, si je dis quelle est la plus grande construction au monde, on va voir ce qu'il nous répond. Et Copilot, c'est parti. Ok, la construction est la tour de Burj Khalifa à Dubaï faisant 829 mètres. Et en plus, alors, on peut voir que c'est très rapide et qu'il nous cite des sources. Et ça, c'est plutôt intéressant quand on utilise l'IA d'être sûr de la véracité des informations qui nous en sont sorties. Je vais bientôt partir à Naples et on va voir quel temps il fait actuellement là-bas. Parce que, c'est quand même intéressant de savoir combien il fait quand on va en vacances. Ok, et là je viens d'avoir la température en temps réel avec une petite carte, d'accord, très sympa. Et je vais demander quelles sont les dernières news en rapport avec l'intelligence artificielle pour voir ce qu'il va me dire. Ok, l'impact de l'IA sur le travail et la main d'œuvre. Ok, d'accord. Donc là c'est quelque chose de global, j'aurais pu demander quelque chose de très précis et j'aurais eu une réponse plus précise évidemment. Après on me cite des articles de blog que je connais bien. Et si je veux, je peux prendre en photo et demander par exemple à l'IA de savoir ce que c'est. Voilà. Je peux lui demander que vois-tu et on peut analyser et faire de la vision d'image grâce à l'application directement. Ça peut être sympa si on ne connaît pas un bâtiment ou le style architectural d'un bâtiment. On prend en photo, on demande à l'IA et on aura une réponse beaucoup plus vite que prévu. Prochain outil d'intelligence artificielle que je vais vous montrer, c'est Swap de ClipDrop. Alors il faut savoir que ClipDrop, c'est quelque chose qui va regrouper énormément d'outils et vous pouvez voir qu'ici vous pouvez en faire des choses sur vos images. Mais là, je vais vous montrer Swap, qui va vous permettre, comme vous le devinez, de pouvoir remplacer un visage par un autre. Alors là, je viens d'apporter une image que j'ai générée vraiment pour pas cher en plus, c'était directement avec une IA open source. Alors j'ai simplement à mettre une image sur laquelle je veux remplacer cette tête et je vais prendre par exemple Elon Musk. On va voir ce que ça donne parce que les lumières ne sont pas les mêmes. On va voir comment l'implémentation se fait et si l'outil est bon parce que j'ai un petit peu peur de la qualité d'image d'Elon Musk. Bon. Franchement, il y a un style assez comique que j'aime bien. Alors c'est vrai que Elon Musk là louche un petit peu.
Oh là, c'est sympa. Là, il y a quelque chose. Et vous avez vu que l'image originale que j'ai implémentée ici d'Elon Musk n'est pas franchement top pour faire une incrustation directe. Mais l'IA a retravaillé l'image pour nous donner quelque chose de sympa. Évidemment, ça m'a fait un peu sourire la première parce que la tête est énorme, hein, tout simplement. Mais en tout cas, la deuxième est plutôt sympa. Prochain outil d'intelligence artificielle que je vais vous montrer, c'est tout simplement upscale.media. Et ce que je viens de faire, c'est d'importer une image parce que cette IA nous servira à améliorer la qualité de vos images. Et ma lumière vient de s'éteindre. J'ai énormément de chance aujourd'hui et on pourra améliorer la qualité. Alors là, je viens de cliquer sur améliorer la qualité ou simplement faire du x2 sur la résolution de base de votre image pour améliorer la qualité. Mais là, vous allez voir la différence. Ici, on peut voir qu'il y a quand même moins de pixels à droite et que c'est quand même mieux fini et beaucoup plus utilisable tout simplement pour une miniature. La mise à l'échelle, on peut la faire jusqu'à x4, même si je trouve que c'est un petit peu de trop, hein. On va essayer quand même, mais voilà. Voici mon image retouchée, alors il y a moins de pixels, c'est un outil qui est gratuit et qui va nous permettre d'améliorer par exemple une image avant de la poster ou de l'utiliser pour aller sur Photoshop et faire une miniature, moi ça m'arrive très souvent. Alors voilà, upscale.media peut être un excellent outil pour améliorer la qualité de vos images. Dernier outil d'intelligence artificielle que j'ai envie de vous montrer, et en plus il est entièrement gratuit. C'est un projet open source que je vais vous montrer. Alors, en réalité, ici, on va pouvoir faire de l'illusion de diffusion. Et c'est ce qu'on voit souvent avec les QR codes. En réalité, ça se base sur ce genre d'IA. Par exemple, on va prendre cette image par défaut. Ou non, en fait, on va prendre cette image et on va tout simplement marquer « ville futuriste avec de grandes tours blanches ». Et on va pouvoir tout simplement générer cela et voir ce que ça donne pour le premier essai. Et voilà, alors là, vous ne voyez peut-être pas parce que c'est pas encore super clair pour vous, mais en réalité, là, la diffusion s'est faite à partir de cette image à gauche pour arriver au résultat à droite. C'est pour ça que ici on a un élément, ici on a un élément, ici c'est un petit peu plus foncé, ici également c'est plus foncé, pareil ici. Là, c'est plus clair et vous avez compris qu'en fait, l'image part de la gauche, enfin de cette image ici, pour arriver à là. Et cet outil va sûrement pas vous rendre riche, mais en tout cas, il va vous faire comprendre le principe de la diffusion dans les images qui sont générées par l'IA. Et là, je viens de le refaire, sauf que j'ai modifié les paramètres, on peut voir que c'est encore plus présent. Des carrés blancs ici et ensuite des carrés plutôt noirs à l'emplacement où est-ce qu'il y a des carrés noirs. Mais évidemment, là, ce n'est pas top vu que j'ai modifié quelques paramètres. Et si je m'amuse tout simplement à aller sur Paint et à prendre directement des petites formes et à m'amuser tout seul, vous allez voir que l'image va plus ou moins suivre. Là, je viens d'apporter une nouvelle image. Est-ce que je me suis un petit peu amusé? Puis on va pouvoir voir l'image finale. Et voilà, on a maintenant des choses qui suivent plus ou moins l'image que j'ai envoyée. Et là, ça rend encore mieux. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo qui reprend cet outil d'intelligence artificielle qu'il faut, selon moi, connaître pour comprendre de quoi est capable l'intelligence artificielle en 2024. Et si jamais vous voulez aller plus loin en en découvrant encore plus, je vous invite à récupérer votre e-book qui est totalement offert, qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Par la même occasion, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à aller rejoindre ma newsletter, la lettre IA Insiders, dans laquelle j'envoie très régulièrement des mails concernant l'intelligence artificielle. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. C'était Julien.